Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer le cours sur les transmissions de puissance par engrenage. Pour présenter ce cours, on va partir d'un exemple industriel, un exemple d'industriel donc très classique avec un moteur électrique qui transmet la puissance à son utilisation. Ici chaîne de convoyage constituée par des rouleaux, chacun de ces rouleaux étant relié les uns par rapport aux autres par des systèmes pignon-chaîne. Entre les deux, entre l'entrée et la sortie, on voit qu'il y a un composant qui est un réducteur. Mais au fait, la question qu'on peut se poser, qu'on s'est peut-être déjà posée, c'est pourquoi a-t-on besoin de faire modifier la fréquence de rotation? Donc, pourquoi modifier la fréquence de rotation? Eh bien, pour deux raisons essentielles. La première, qui est relativement évidente sur cette réalisation industrielle, vous voyez que le moteur tourne à 1500 tours par minute. On imagine mal les rouleaux tourner à une telle fréquence. Donc en fait, ce réducteur sert à adapter la fréquence de rotation à la sortie et à son utilisation. La deuxième raison qui est un petit peu moins évidente ici, eh bien, c'est pour adapter le couple donc en sortie. Or, on sait très bien que lorsque la fréquence de rotation en sortie diminue, le couple va augmenter. Alors, ce réducteur, le réducteur que l'on a vu, il est constitué certainement par des engrenages. Et parmi ces engrenages, il y en a un qui fait l'objet du cours d'aujourd'hui. Eh bien, c'est le train épicycloïdal. Donc, les trains épicycloïdaux, on va en parler et on va essayer déjà de définir qu'est-ce que c'est qu'un train épicycloïdal. Pour faire simple, on pourrait dire qu'un train épicycloïdal, c'est finalement un système qui est constitué de roues dentées, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Ces roues dentées tournent les unes par rapport aux autres. Et ce qui est assez caractéristique d'un train épicycloïdal, c'est qu'il y a une roue dentée qui tourne autour d'un axe géométrique. Cet axe géométrique est lui-même en rotation autour du bâti. Maintenant, quels sont les éléments, les constituants donc, qui forment un train épicycloïdal? On va distinguer en fait trois familles différentes, les satellites, les planétaires et le porte-satellite. Alors, commençons tout de suite par le satellite. Le satellite, eh bien, c'est la roue dentée qui a été ici coloriée en vert. On constate d'ailleurs que dans ce schéma, on va avoir trois satellites. Ces satellites sont en liaison pivot par rapport à un porte-satellite, donc ici des liaisons pivot, et ce porte-satellite est lui-même en liaison pivot par rapport au bâti. Ensuite, j'ai parlé de la famille des planétaires. Parmi la famille des planétaires, il y a la couronne planétaire. La couronne planétaire, eh bien, on constate un élément qui est assez intéressant, c'est que la denture ici sera une denture intérieure et non pas extérieure comme pour les autres roues dentées. Et enfin, le dernier planétaire, c'est le pignon planétaire, c'est celui-ci, lui-même aussi, en liaison pivot par rapport au bâti. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? En fait, la plupart du temps, il y a trois types de fonctionnement différents. Et donc, le premier, c'est celui qui est présent donc ici sur l'écran. Vous voyez que la couronne planétaire est bloquée et les autres composants tourne autour du bâti. Le deuxième mode de fonctionnement possible, c'est l'autre planétaire qui est bloqué, c'est-à-dire le pignon planétaire bloqué et tout le reste va tourner. Pardon, hop, comme ça. Et enfin, le troisième mode de fonctionnement, c'est le porte-satellite qui est bloqué et tous les autres constituants tournent autour de leurs axes fixes respectifs. Donc vous constatez d'ailleurs, hein, à ce propos, c'est que dans ce dernier cas, eh bien, ça ressemble à un train d'engrenage classique comme ceux qu'on a l'habitude de voir et qu'on a déjà, sur lesquels on a fait déjà des exercices. Alors, quelques exemples de réalisation industrielle. Regardez donc ce malaxeur à végétaux. On peut regarder et puis essayer de différencier les différents éléments que l'on voit. Alors, on voit donc
très distinctement les trois satellites. On voit aussi le pignon planétaire, la couronne planétaire et certainement ici quelque part le porte-satellite. Une deuxième application, c'est l'actionneur pour volet roulant. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de composants. Et parmi ces composants, eh bien, il y en a un qui nous intéresse, c'est le réducteur. Ce réducteur, le voici en agrandissement. Eh bien, ce réducteur, on le verra tout à fait à la fin du cours, ce réducteur est en fait formé de trois étages de trains épicycloïdaux. Alors, j'en profite pour faire un rappel sur le sens de rotation donc dans un train d'engrenage classique, en l'occurrence dans ce cas-là. On laisse un petit peu de côté les trains épicycloïdaux pour l'instant. Donc, nous, ce qu'on avait vu, on a vu une formule. Cette formule, elle était grossièrement celle-ci. Par contre, quand je dis grossièrement, pourquoi ? Parce qu'il y a un élément, c'est le premier terme du deuxième membre, c'est-à-dire ce moins 1 exposant n, que je viens de rajouter, en fait. Nous, qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu que le rapport des fréquences de rotation, il était égal au rapport de transmission, au rapport de transmission qui correspond à un produit de un rapport de produit de nombre de dents, comme c'est indiqué ici. Alors, donc, N, qu'est-ce que c'est justement ? C'est un peu l'objet de ce petit rappel. Eh bien, ce N, il correspond au nombre de contacts extérieurs qu'on va avoir. Alors, on va prendre un exemple, celui-ci. Vous voyez que là, vous avez un engrenage, vous avez un deuxième engrenage. Là, il suffit de compter le nombre de contacts extérieurs. Alors, donc, on va avoir ici un premier contact extérieur entre cette roue et celle-ci. Il s'agit bien de deux roues qui engrènent et dont le contact est extérieur. Et puis, on en aura un deuxième ici. Conclusion, dans ce train d'engrenage simple, à axe parallèle, eh bien, n est égal à 2. Donc, si maintenant je calcule moins 1 exposant 2, comme c'est indiqué ici, moins 1 exposant 2, on trouve que c'est égal à 1. Conclusion, les deux roues, la roue 1 qui était la roue d'entrée et la roue 4 qui est la roue de sortie, en fait, elles tournent dans le même sens. Voilà l'intérêt de savoir gérer ce terme. On va faire deux autres exemples. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que l'on fait ces exemples, eh bien, vous les essayez, vous complétez le document que je vous ai transmis, le document de cours, donc, que vous avez trouvé sur Pronote. Alors, ici, dans cet exemple-là, donc, on voit qu'il y a un arbre d'entrée, un arbre de sortie et un arbre intermédiaire. Donc, combien de contacts extérieurs va-t-on remarquer ? On en remarque deux, aussi, pareil. Donc, on aura exactement la même chose. Donc, moins 1 exposant 2, c'est égal à 1. Conclusion, les deux roues vont effectivement tourner dans le même sens. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette roue intermédiaire. Alors maintenant, on passe au dernier exemple, celui de droite. Alors on voit qu'il y a un pignon, ce pignon engraine sur une couronne, et cette couronne a une denture intérieure. Donc, le nombre de contacts extérieurs, eh bien, il n'y en a pas finalement, puisque ici, ce contact qu'on va avoir, eh bien, c'est un contact intérieur. Donc, n est égal à 0. Or, si on applique la formule, moins 1 exposant 0, ça nous donne 1. Et donc, ça nous renseigne sur le sens de rotation. Les roues 1 et 2 vont effectivement tourner dans le même sens. Alors, les rapports de transmission, bon, vous sont donnés. Vous pouvez essayer de les retrouver, ce n'est pas difficile. Alors maintenant, on va essayer de calculer le rapport de transmission dans un train épicycloïdal. On revient sur le cours sur les trains épicycloïdaux. On va déjà compléter ce schéma. Vous pouvez déjà peut-être arrêter la vidéo
et puis essayer de le compléter par vous-même, savoir si vous avez repéré donc tous ces éléments. Donc, le pignon planétaire, le porte-satellite, le satellite, la couronne planétaire, et ici, on aura le bâti. Voilà. Alors, on va avoir tous ces composants. On va, pour essayer de trouver le rapport transmission, comment est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer, en fait, hein, retrouver l'expression de ce rapport transmission, on va faire une hypothèse, on va partir d'un cas particulier, c'est qu'on va supposer que le porte-satellite est bloqué. On va le bloquer de cette façon. Vous voyez qu'ici, j'ai mis entre le bâti et le porte-satellite, j'ai mis un petit triangle qui correspond à un symbole de soudure. Donc, en fait, le bâti et le pignon et le porte-satellite sont bloqués. Seul tourne le satellite, le pignon planétaire et la couronne planétaire. Donc, ce système, ben, il devient celui-là et ça correspond, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, à un train d'engrenage simple, à axe parallèle, très classique. Donc là, la relation, c'est celle qu'on connaît très bien. Donc là, ici, on a le rapport des fréquences de rotation. Donc ça, c'est la fréquence de rotation de l'arbre de sortie par rapport au bâti. Or, le bâti est relié au porte-satellite. Le porte-satellite, c'était le numéro 2. Donc, je peux très bien écrire cette formule de cette façon. Hein. C'est bien la fréquence de rotation de l'arbre de sortie par rapport au porte-satellite. Je fais exactement le même commentaire pour l'arbre d'entrée. Et ce deuxième membre, on en a déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Donc, combien est-ce qu'il y a de contacts extérieurs pour essayer de connaître le premier terme du deuxième membre? Alors, on regarde ceci. Là, on voit qu'on a un contact sur cette partie-là entre 3 et 4. On a un contact intérieur. Ici, on a un contact extérieur. Conclusion, n est bien égal à 1. Donc, on va avoir donc, moins 1 exposant 1, il sera égal à moins 1. Alors, on va voir pourquoi ça a une importance capitale lorsqu'on veut calculer des rapports transmission dans le cas des trains épicycloïdaux. Calcul du rapport de transmission, puisque c'est un train d'engrenage classique, on va avoir donc ce rapport de transmission, puisque en fait, ici, le satellite correspond à une roue intermédiaire. Donc, vous savez très bien que la roue intermédiaire, le nombre d'adans n'intervient pas. C'est donc pas surprenant qu'on se retrouve avec cette expression. Vous pouvez évidemment essayer de la retrouver, c'est vraiment pas difficile. Alors maintenant, on peut écrire, vous voyez, parce que là j'avais écrit la fréquence de rotation de l'arbre de sortie par rapport au porte-satellite. Donc si j'écris en utilisant ce qu'on appelle la composition des vitesses, on peut très bien écrire ceci, hein, correspond en grosso modo à la relation de Charles. Donc, la fréquence de rotation de 4 par rapport à 2, c'est égal à la fréquence de rotation de 4 par rapport à 0 plus la fréquence de rotation de 0 par rapport à 2. Ou alors, si je veux que la référence soit le bâti, je peux aussi l'écrire de cette façon. Et je vais faire exactement la même chose pour le dénominateur du rapport des fréquences de rotation. Conclusion, je me retrouve avec une formule et cette formule, eh bien, elle est appelée, ou cette relation est appelée la formule de Willis. Donc, au lieu d'écrire la formule qui est en haut à gauche, eh bien, en définitive, si on veut faire en sorte que le bâti soit notre référence, eh bien, on va utiliser ce que l'on appelle la formule de Willis. Attention, dans cette formule de Willis, il faut bien se souvenir que 4, c'est la couronne, que 2, c'est le porte-satellite, et que 1, c'est le pignon planétaire. Donc, c'est exactement
ce que je vous rappelle ici. Alors d'ailleurs, vous voyez que, comme on le pressentait, hein, le nombre de dents du satellite n'intervient absolument pas. Alors, on a vu déjà tout à l'heure, hein, qu'il y avait trois cas possibles. Eh bien, si je reprends cette formule, et puis donc cette formule-là, hein, et si je dis, eh bien, le porte-satellite est bloqué, donc ici, si le porte-satellite est bloqué, bah, cette fréquence de rotation qui correspond à la fréquence de rotation du porte-satellite par rapport au bâti, bah, elle va être égale à zéro. Et puis, ça va être exactement la même chose pour celui-ci. Conclusion, je me retrouve avec une formule de Willis qui a une forme tout à fait classique. Alors après, on peut dire, je vais reprendre la formule de Willis, celle-ci, hein, et puis je vais dire, bah, tiens, cette fois, je vais bloquer la couronne planétaire. Et qu'est-ce que ça va me donner? Donc, comme formule, vous voyez, donc c'est pas difficile à vous de trouver cette nouvelle expression et puis de l'inscrire dans votre cours, et vous faites exactement la même chose pour le troisième cas. Je ne vais pas revenir sur les avantages et les inconvénients, puisque ces avantages et les inconvénients, ben, ils ont été déjà expliqués et exposés dans le cours. Il suffit simplement de savoir lire. Un intérêt relativement important et primordial des trains épicycloïdaux, c'est qu'ils peuvent être connectés les uns par rapport aux autres. Donc vous voyez par exemple que ici, la couronne planétaire du train 1, elle va être liée complètement, hein, je l'ai noté ici, une liaison complète par rapport aux portes satellites du train 2, et etc. Donc je peux en rajouter autant qu'on veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous voyez que là, dans le cas du réducteur du volet roulant, on avait trois étages, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez le premier qui est relié au moteur électrique, eh bien, on sait très bien que le moteur électrique, il ne va pas avoir forcément un couple qui va être très, très important, en tous les cas si on le compare par rapport au couple que l'on veut avoir en sortie. Donc, puisque c'est ça, ben, les dents elles seront plus petites, le module sera évidemment petit, peut-être même qu'elles seront en matière plastique, voilà. Et au fur et à mesure qu'on va changer d'étage, vous voyez, le deuxième étage, eh bien, le couple augmente, hein, forcément, puisque la vitesse, la fréquence de rotation a diminué. Eh bien, vous voyez que la taille des dents, eh bien, a augmenté d'une manière relativement singulière. Et cette différence de taille est encore accentuée dans le troisième étage, puisque non seulement ici, les dents sont encore plus grosses, mais en plus, elles sont beaucoup plus larges. Et ceci termine la fin de ce cours. Merci, à bientôt.